La Void Power, les amis, ça y est, une arme à feu, mais futuriste, hein, en akimbo, donc du coup en double. Alors c'est peut-être comme le revolver, hein, où on a le revolver de base sans la 7ème étoile, la rouge, avec un gun, et après il passe en akimbo. Peut-être, hein, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on y était plus ou moins, et plusieurs spéculations, et quand on voyait ça, bien sûr, hein, mais c'est tout simplement un truc futuriste, hein, on pouvait pas se tromper là-dessus, hein. C'était bizarre, hein. Et effectivement, vous avez vu la détonation, le petit jaune, hein. C'était une arme à feu, bien sûr, hein. Voilà, la détonation. Et du coup, c'est quoi, du coup, ça? C'est la crosse. Ça, c'est la crosse, du coup. Vu qu'il a pas d'épaule, il a pas de coude, etc. Le perso, il la tient comme ça, mais effectivement, du coup, c'est la crosse. C'était pas un crochet, c'est la crosse. Pas ça, un crochet, un truc comme ça. Mais c'est la crosse. La Void Power, alors, en français, c'est quoi? Le pouvoir de... Pouvoir de vider. Void, c'est vider, je crois. Void. Je crois que c'est vider. Pas sûr. New Super Weapon. Alors, comment on va s'obtenir? Obtenir. Est-ce que c'est un rang S ou pas? Je ne sais pas, les amis. Mais je vous assure tout de suite, hein. Elle sort, je l'ai. Je fais une vidéo là-dessus. Et on fait ça en live, bien entendu. Je vous rappelle que mon live, pour ceux qui voudront me suivre par la suite, etc., parce que je reprends les lives dès que la mise à jour sort, bien entendu, c'est dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, hein. Voilà. Twitch, marqué en gros Twitch. Tu cliques dessus, tu me follow, c'est gratuit. Et on sera régulièrement en live quand la mise à jour va sortir. D'ici peu de temps, on est le 19 quand je fais la vidéo. Je pense que entre le 25 et 26, elle va disparaître. Elle sera là. Je suis fatigué. Elle sera là, les amis. Mais effectivement, ça peut être juste stylé. Alors moi, vu qu'il y a déjà une arme. On a déjà une arme. Le gun qui se trouve ici, là. Qui tire en akimbo. Donc akimbo, c'est quand il y a les deux armes, etc. Qui tire des balles, etc. Je pense qu'il y a peut-être des lasers. Vu que c'est... Alors c'est void, hein. Void, c'est bien vidé, void. Hein. C'est pas un trou, etc. On est d'accord que c'est... Ouais, je pense que c'est vidé. Alors, moi, je pense que c'est pas une arme classique. C'est vraiment une arme futuriste. On voit bien que c'est... Vous avez vu que c'est un laser... Je peux zoomer comme ça ou pas? Je peux aller à droite ou pas? Ouais, nickel. On voit un petit peu comme ça. Je le zoome plus, voilà, comme ça. Vous avez vu, ici, il y a une sorte de rainure. Je pense que c'est une arme plasma, genre. Vous savez, dans les jeux vidéo, une arme plasma où... Où on a un faisceau laser qui part. Je pense que ça va être plus ça. Peut-être un laser continu. Ça peut être très stylé, les amis. Mais voilà, je suis juste hypé. Je sais pas ce qu'on en pense dans les commentaires. Et ma hype sur sur 20 par rapport à cette arme. Hein. Ah, je suis à 21, hein. Clairement, je suis à 21. Je suis un gamin. Les amis, je suis vraiment un gamin. Mais j'attends. Par contre, vous avez vu qu'il y a deux armes différentes. Alors effectivement, je pense que elle... Alors c'est peut-être pas en akimbo aussi. Hein. Peut-être une image. Hein. Si c'est en akimbo, ça serait peut-être comme ça. Ce qui me paraît bizarre en akimbo, c'est que c'est pas les mêmes armes de chaque côté. Donc, il y aurait peut-être une arme qui fait une chose et une arme qui fait autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, intéressant. Sinon, ce qu'on peut aussi penser, c'est que l'arme de droite, c'est l'arme qui n'est pas améliorée avant la 6ème étoile. Et l'arme de gauche, c'est celle qui est améliorée. Vous voyez ce que je veux dire? Intéressant. C'est très intéressant. Je pense pas qu'il y ait des munitions dans cette arme parce que du coup, vraiment, le gameplay de cette arme et la vidéo arrive demain, les amis. C'est pour ça qu'elle est en plus 2. J'ai fait une petite review là-dessus. Je vous ai montré un petit peu, même si elle fait le million de dégâts, hein, clairement. La revolver fait 1 million de dégâts et vous verrez la vidéo. C'est vrai, pas de spoil. Et du coup, je pense pas que la nouvelle arme ait des munitions. C'est pas possible. C'est pas possible, sinon c'est vraiment trop contraignant. C'est trop contraignant. Donc écoutez, on verra. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? Petite vidéo, vous avez vu Chill aujourd'hui? Parce que voilà, il y avait hier une vidéo où on voyait ça, mais c'était flouté, que des spéculations. Maintenant, on a ça. C'est peut-être une arme en akimbo, une fois que c'est évolué. Ou sinon, c'est à droite l'arme classique et à gauche l'arme évoluée. Je pense que c'est peut-être plutôt ça. Parce qu'effectivement, là on voit que c'est une version normale de l'arme. Là, c'est vraiment une version évoluée de l'arme. Je pense que c'est ça. Écoutez, on verra ça du coup très très vite, les amis. Il y a peut-être un gameplay qui va sortir, je ne sais pas. En tout cas, dès qu'il y a des nouveautés, dès qu'il y a des leaks qui sortent, je vous tiens au courant. Des bisous à tous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, bien entendu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Partagez la vidéo et la commentez pour aider au référencement. Des bisous à tous. Demain, la vidéo sur les revolvers qui fait 1 million de dégâts. Allez, ciao.